Bonsoir et bienvenue pour Final Fantasy Type 0 HD. On va continuer le jeu où on incarne bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Makina et Rem. Je dis pas de bêtises sur les noms. Évidemment, c'est pas 1, 2, 3, c'est Ace, machin. Ah non, mais d'ailleurs, non, c'est pas. Non, je suis con, c'est pas une suite de 1 à 12, c'est 1 à 10 plus Valet, Dame et Roi. Salut Sacha. Donc, on était avec Ace. Et il fallait qu'on aille là. L'Alto Cristarium. Et a priori, on peut aussi faire de l'élevage de chocobo. On va découvrir ça. Là, au début, on découvre beaucoup de choses, donc forcément, c'est un peu lent. Mais une fois qu'on aura découvert toutes les pièces et tout ça, on pourra déjà faire le tri des salles qui nous intéressent ou pas. Alors, par exemple, là, j'y vais parce que je sais pas ce que c'est, mais une fois que je saurai... Fallait que je reparte à l'arsenal aussi. Non, à l'arsenal, le bureau. Oula. I see you. Ah oui, c'est avec l'anima. C'est vrai, ça c'est un truc en rapport avec l'anima. Poudre fus. Bien. Améliorer vos sorts à l'Alto Cristarium et aux reliques mnémotechniques dans Oriance. De nouvelles magies peuvent être obtenues sous certaines conditions. Mais je sais pas combien j'en ai aussi, parce que là ils mettent un coup, mais c'est bien gentil, mais... Ah, ok, je revois le coup en haut à droite. Désolé, j'ai fini Cash Union X, j'ai mal à la tête. Mais il fallait pas le regarder maintenant. Mais qu'il est con celui-là. D'abord, à moins que t'avais fini, t'as fini 3D, Burst by Steel 02 et Back Cover. Elle était vite. Du coup, je sais pas, soin, de l'anima verte aussi, ok. Ah ok, t'as tout fini. Bon, du coup, j'ai rien dit. Ouais, t'as vu, c'est... Y a beaucoup de choses, hein. C'est un délire. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de trucs, j'en ai pas forcément besoin, donc... Le type d'anima que l'on obtient est différent suivant la magie utilisée pour achever l'adversaire. Ainsi, dans le cas d'un coup fatal infligé avec un sort de feu, l'anima reçu sera rouge. Ah. Très bien. I didn't know. Du coup, t'as bien aimé BBS02 Sacha. Tu peux désormais élever des chocobos. Ah oui, c'est... Allons voir ça. À l'écurie. Oh, vous êtes nouveau ici. Voici la célèbre écurie à Chocobo. Ici, les Chocobos sont des VIP, souvenez-vous-en. Ils font du transport de troupes, se rendent sur les champs de bataille et font même office de nourriture en cas d'extrême urgence. Oh putain. Ah merde. Les Chocobos rivalisent avec les élèves officiers ordinaires en termes d'efficacité. Comme vous êtes venu jusqu'ici, autant que vous en ayez... Autant que vous en ayez... Je pense que ça vous sera utile. Non, que ça vous sera d'une grande utilité. J'ai gagné des chocobos mâles et femelles. Et prenez ça aussi, c'est utile pour l'élevage. Okay. Oui, ça ressemble pas mal à une démo de KH3 quand même. Ah oui, mais c'est complètement une démo technique hein, par contre. C'est pas. C'est pas un vrai jeu. L'élevage consiste à réunir deux chocobos pour qu'ils donnent naissance à un nouveau chocobo. Unissez les chocobos qu'il faut et ils donneront peut-être naissance à un chocobo qui n'existe pas à l'état sauvage. Bébé, les chocobos se ressemblent tous, alors qu'une fois adultes, ils sont tous très différents. En période de reproduction, les chocobos ont besoin de légumes. Les deux chocobos reproducteurs vont quitter l'écurie et être retirés du service actif, souvenez-vous-en. Généralement, les chocobos ne pondent qu'un seul œuf.
mais il arrive que ce dernier donne des jumeaux ou des triplés. Il paraît même que certains chocobos donnent naissance à une couvée de plus de 2 ou 3 poussins. Élever un chocobo, oui. Je vais mettre un chocobo mâle et un chocobo femelle et des légumes de guisal. Je confirme l'accouplement. J'ai gagné un œuf. Alors, il mettra du temps à éclore, d'accord. Bon, ok. Lui, maintenant, on peut lui donner des trucs. S'occupe des plaques, ouais. Vous avez des plaques, ça, amenez-les-moi. J'en ai. Oui, tiens. J'ai deux plaques. J'ai gagné une potion. Yes. D'ailleurs, j'en avais utilisé ça, des potions. Tiens. Il m'en reste plus que trois. Il faudrait que j'en rachète. Oh, tiens. Lui, il a des choses à me dire. Mock de classe 5. Est-ce que vous savez pourquoi les aspirants sont répartis par classe? C'est très simple. Parce qu'ils sont plus forts lorsqu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Ils sont tous solidaires et s'entraident. Ouf, pardon, désolé. C'est comme ça qu'ils se motivent, c'est comme ça qu'ils survivent. Il n'y a pas de magie assez puissante pour défaire les liens de l'amitié. C'est moi qui vous fais rire? J'ai beau essayer de les convaincre, de nos jours, les jeunes trouvent ces valeurs vieux jeu. Ils sont tous désabusés par la guerre, pourtant, je sais qu'un jour, ils comprendront. Prenez soin de vos frères d'armes. La camaraderie vous protégera, vous et ceux qui vous sont proches, et arrêtez de rire sans raison. Non, c'est pas là-bas. Attendez. Dans Arcane ? Arsenal, c'est pour améliorer les armes, donc ouais, ça doit être là. Oui, c'est là. Lui, il a une requête, là-bas, il y a une quête. On va aller voir maman. Bonjour, maman. J'ai un jour et 10 heures, donc j'ai le temps. On va avoir pas mal de choses à faire. Je vais... Well, that should do it. Everything seems to be in working order. How do you feel? Not too bad. Are you used to the peristylium? Everything's going well, if you ask me. You see the reports, haven't you? Il a une voix désagréable. Yes, but there are some things the reports don't tell me. Are you saying you don't want us to make you look bad? I'm not worried about me. Besides, it's only natural for a mother to worry about her children. It's all well and good for you to go off to your battles, but do try to come see me more often. Sure, I'd love to. If you weren't always held up in your office working on something. I'm as busy as ever, but a mother can always make time to see her children. Right. Il y a une super potion. Alors, toi t'as une requête. J'ai besoin d'aide, je ne peux demander à personne d'autre, vous allez m'aider? Ramenez une anima rouge. Merci. J'ai gagné une bague de fer. Oui, oui, c'est bon. J'ai gagné un élixir, ok. Augmente les PM, ok. Par contre, cash, Unchi, genre les 5 nouveaux maîtres de Union, qui sont 5 survivants de la grande guerre des Keyblade, chargés de prendre la suite des anciens, et dans ces nouveaux maîtres, il y a Ventus, Marluxia et Iracus. Il n'y a pas Iracus, hein, par contre. Il n'y a pas Iracus. Le docteur Aresia a mis au point le système des défis afin d'inciter les aspirants de la classe 0 à se surpasser.
Mais vous êtes libre de l'utiliser ou non. Ah oui, ça c'est pour vrai. Ouais. Maintenant que nous vous avons vu en action, nous avons une foi éternelle en vous. Certaine que beaucoup viendront demander votre aide. Ok. Les maîtres, c'est... Je vais aller voir par là s'il n'y a rien. Les maîtres, c'est... du coup... donc ouais, il y a... Loriam. Ventus. Skuld. Brain. Et... Éphémère. Ren, something wrong? Well, it's just... I heard a rumor. It's about Lord Shuyu. He was sighted near the battle lines up north. Lord Shuyu? The Dominion Lassie? Lassie don't really move around without a good reason, right? So I'm just wondering what that good reason could be. I agree. For a Lassie to appear on the battlefield, something big must be going down. Non, ouais, Sacha, t'as loupé des choses. Attends, je te dirai. Je t'enverrai une vidéo qui éclaircira peut-être. Bon, ça, évidemment, je ne lis pas les cours hein, parce que c'est long, c'est chiant. Ça prend combien de temps ça? Oh, j'ai large le temps de faire tous les cours. J'ai l'impression qu'en fait, comme Lightning Return, le jeu n'a pas l'air très stream friendly. Ah, oh, je peux appuyer sur Start. Mission dans 12 heures. Déjà ? Boum. Donc là, j'ai fini tous ces cours. Toi, c'est quoi déjà que tu fais ? Ah, c'est des objets. Il me faut des potions. Oula, peut-être pas autant. En prendre 5. Augmente la magie de fou, non. Ah, mais j'ai une bague d'or, bah du coup c'est mieux la bague d'or. Hop. Il n'a pas d'accessoire. Personne. Faudrait un mini-jeu où pendant le cours tu combats la fatigue et si tu perds tu t'endors. Non mais bon après voilà. C'est un jeu. C'est un jeu de type. De type PSP et forcément. Oh. Entraînement spécial et la simulation de combat sont opérationnelles. Oui. Vous y accéderez à l'arène. Ok. Moque de la classe 1. C'est un honneur de rencontrer un membre de la classe 0. Pour être franc, vous ne me plaisez pas. Je n'ai rien de personnel contre vous. C'est juste qu'avant votre arrivée, notre classe était considérée comme la meilleure du Dominion. Bien entendu, pour moi, c'est toujours le cas, même si l'opinion des gens a changé depuis que vous êtes là. Il faut dire que vous êtes passé directement de meilleure classe d'aspirant à sauveur du monde. J'ai du mal à l'accepter. Et en même temps, avoir un rival de qualité est aussi une bonne source de motivation. C'est pourquoi je fais la promesse solennelle que la classe 1 sera un jour la meilleure du Dominion et que, nous serons les seuls sauveurs d'Oriens. Nous le prouverons à tous. Ok.
On reste 8 heures. Rocket. Rem est bien dans la classe 0, je veux lui parler, vous pouvez la contacter. C'est ce que j'attends ici. Vraiment, merci. Donc là, il va falloir que je change de personnage pour lui parler. Et toi, les réparations de la reine, ok. Bon, on ira voir la reine après. D'abord, je vais ramener Rem. Personnage actif, Rem. Utiliser ce personnage, oui. Je sais pas trop à quoi ça sert la reine du coup. Oh Rem, j'espérais juste qu'on pourrait discuter un peu. Oui, c'est pour toi, j'en ai plein, je t'en prie. Une queue de phénix. Est-ce qu'il essaie de faire passer un message? Hey, mais la reine, c'est là où j'ai combattu au début en fait. Le premier boss. Le Elsie. Enfin, la Elsie. Repos, élève officier, je m'occupe de l'entraînement spécial. Ici, vous pouvez affronter vos frères d'armes et amis d'Academia. Dans l'entraînement spécial, il n'est possible d'entraîner qu'un seul personnage à la fois sans pouvoir choisir l'instructeur. Plus vous vous entraînez, plus vous affronterez d'adversaires limités à un certain nombre par séance d'entraînement. Les résultats de votre entraînement changeront suivant différents facteurs tels que le niveau du personnage choisi comme instructeur. Ouais, je veux bien tester. Ok, ça sauvegarde avant. Un peu peur. Quoi ? D'accord, ok, je comprends. En fait, c'est... Ouais, hein, les résultats prennent du temps. En fait, oui, je comprends. En fait, le principe, c'est que... C'est un jeu PSP, donc pas fait pour des grandes séquences de jeu. Et en fait, on peut AFK, genre, on laisse la console tourner et ça trouve des gens avec le Wi-Fi et voilà. Je pense. Ça sera la simulation de combat, les récompenses sont modestes, mais chaque entraînement a son importance. Vous pouvez vous entraîner avec un seul personnage et combattre une infinité d'ennemis créés par magie, vous obtenez de l'expérience et des animas. La simulation prend fin quand votre personnage est vaincu, vous pouvez vous arrêter quand on vous le propose ou si vous ouvrez les portes de l'arène. En tous les cas, vous conservez vos gains. Bah, let's go! Ok, je... Je peux crever, moi. Mais non, mais... Mais soigne-toi! Mais j'ai appuyé sur le soin! Mais il fallait peut-être canaliser... Attends... Je veux recommencer. Ça n'a aucun sens. Mais bordel. Ok. 8. Parfait.
Go, 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 go! Hé! Elle fait n'importe quoi avec cette dague. Je vais pas choisir le meilleur perso pour tester ça. Hein. Le JPP. Yes. Ouais, hop, 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 boum. Ah, et bordel. Je veux juste me soigner. Excusez-moi. Non, en fait, j'ai utilisé une potion. Quoi. Mais quoi? Genre. Ah ok, j'ai cru comprendre où était la barre de canalisation. Quoi? Mais non. Ah putain. Et du coup j'ai pas gagné. Si j'ai gagné de l'XP, je sais pas, on sait pas, on sait pas. Elle est passée niveau 11, donc si j'ai gagné de l'XP, ok. C'est cool parce que ça fait même pas descendre le temps. Après on loot rien. Comparé à si je vais sur la map monde. Ok. Il y a un lieu que j'ai jamais visité. C'est là-bas. Parce que moi c'est vrai, c'est con, en fait il y a des quêtes. Enfin des trucs avec des points d'exclamation sur des gens. C'est facile à faire, il suffit de leur parler. Ça consomme du temps. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on gagne de l'XP, on gagne juste des items. En tout cas le système de combat est particulier. Et j'aime pas trop jouer en solo comme ça. J'aime bien quand on joue en équipe de 3. En charge de la classe 10, j'espère que vous essaierez de ne pas trop stresser votre propre mug. Vous savez qu'à Academia, chaque classe est unique en son genre. La mienne, la classe 10, est constituée d'aspirants, on ne peut plus doués, capables de s'adapter à une multitude de missions. Bien sûr, la classe 1 nous est largement supérieure. Il y a malgré tout une hiérarchie des classes en place. D'ailleurs, ici l'épanouissement personnel est primordial. C'est pour cela que nous encourageons nos élèves à être compétitifs via le système des classes. Et vous, comment est-ce que vous pourriez décrire la classe 0? La classe légendaire, la classe des héros, celle des pions du docteur Aresia alors? J'ai hâte de voir ce qui vous correspond le mieux maintenant. Très peu agréable ce mob. Ce mog, pardon. Ok, alors, il me reste 6 heures, ça fait 3 PNJ à qui je peux parler si je trouve des PNJ qui veulent bien me parler. Concrètement, j'ai pas été là-bas. Bon là, je le fais parce que c'est le début du jeu. Mais là, lui, il a une requête. Dans la forêt, faut battre 2 vertigos. Et ça tombe bien, parce qu'il faut 6... faut 6 heures pour les sorties à l'extérieur, donc ça tombe bien, il me reste 6 heures. Chaque classe a son rôle, même la 12. Bah la 12, ils font le ménage. Bon, des fois, ils boivent la bouteille de Javel, mais bon, c'est pas... Alors faute, en spéciaux. Ah, toi aussi t'as une requête. Qu'est-ce que tu veux? Fournir 3 potions. Bah tiens.
Ah, ça annulera la requête de l'état-major. Non, mais je la ferai après, t'inquiète. Éclaté. Pour ce qui est des monstres terrifiants, aller à la grotte à l'est de Corzy, je n'ai pas eu peur d'y entrer, c'est juste... J'ai juste jeté un œil, c'est tout. Academia. Servez-vous d'une pierre de téléportation pour sortir de donjon ou échapper aux monstres, vous pouvez vous en procurer dans les boutiques, mais pas vous en équiper. Du coup, comment je crée mon équipe? Non, mais... L'équipe. Mais non, mais... Oh! Bon, j'espère pas trop me faire casser le cul. Hein. Ah, mais c'est bon, j'ai vu des copains. Mais quoi? Mais elle prend 10 ans à taper. Oh yes. Oh yes. Et ce truc là-bas. Allez hop. C'est dead. J'ai dead ça, comme disent les jeunes. Ok, c'est bon, j'ai des copains. Par contre, du coup, c'est les copains qui étaient en haut de la liste. Et du coup, c'est ceux qui ont déjà beaucoup d'XP, mais bon. C'est pas grave. Oh, un... Je sais plus comment c'est le nom. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle les... Les mobs avec un œil juste... Faut que j'aille dans la forêt. Faut que je batte deux vertigos. Waouh! Transition. Attaque surprise. Et putain. Ah bah le vertigo. Bon. Oui. Le petit critique. Ah mais la caméra elle est libre. Un Ariman, bien joué, c'est lui ça. Allez, on absorbe l'anima. Et hop là. Mais non mais... De jeu de main. Oui, bien joué pour la Rayman. Trop chaud. Point faible, trop chaud. Allez, j'en retue un de vertigo. Oh le bâtard! Pourquoi tout le monde est après moi là? Ah. Ok, donc. Quand on canalise un sort, on ne peut pas... On ne peut pas changer de... Non. De cible. Oh, le stop. Il est trop loin. Je suis avec des dagues. C'est nul. Voilà. Empoisonné aussi, accessoirement. D'autres ennemis approchent. Continuez le combat. Bah non. Ah
Attention tout le monde, il est bientôt jeudi 14h30, ce qui veut dire que la séance d'entraînement de la classe 12 commence bientôt. N'oubliez pas de vous rendre dans les bunkers. La semaine dernière, un cadet a fait 7 blessés graves. Il avait monté son mortier à l'envers. Je trouve moqueur avec avec la classe 12. Ils sont pas méchants. Waouh. Mais non, mais putain, à chaque fois j'appuie sur A en mode allez, passe à la suite. Elle est trop stylée. 6. Allô le jeu? Ah voilà. D'autres ennemis. Bon là ça va, ces ennemis là ils sont gérables. Super. Il était trop loin. Et... Abruti, avance quand tu tapes. Oh, elle est vraiment naze. Hein. Je l'ai pris parce que j'avais une quête à faire avec, mais... Oh non, on va partir. Arrêtez le massacre. Et bon, au moins, je teste des personnages, hein, mais tous ceux qui sont au corps à corps de près... Ceux qui sont au corps à corps de près, c'est l'enfer. Donc ça, c'est good. Pouvoir rendre la quête. Mission imminente, mais bon, je fais un petit crochet avant. M'en voudront pas. Putain. Ah si, en fait. Alors que c'est le premier mercredi du mois, il y a la sirène qui sonne. Je vais racheter des potions. Je vais se faire raqueter de 3 potions. Vainquer de vertigo. Mais j'ai déjà fait. Requête accomplie. Oui, parfait. I see you're all here. Let's begin. Some of you may already know, but the consortium has authorized a large scale counter-attack. To liberate our territories under imperial occupation. Ah oui, d'accord, ok. Oui. All battle-ready cadets will participate in this campaign, along with the Concordian Army. Each cadet will act within an independent group, under the instruction of a commanding officer. So you're saying that we'll be acting separately from the main army? They'll be launching an offensive against the Imperial Army. Since the cadet units are few in number, you will have superior mobility. You will be Oriens' most powerful auxiliary force. What's our destination? The stronghold of Togarath. Togarath borders our neighbors on the north and the east. So defensively speaking, it is in our best interest to recover it quickly. The Togarath stronghold is currently under the Empire's total control. It would be exceedingly difficult for the main army to take it back. So you will participate in the campaign as an auxiliary force. Subjugating the main enemy forces from the inside. Then you'll join the main army to ambush enemy forces left in the stronghold and take back Togarath. Depending on your actions, you may succeed in lowering the Empire's morale. Show them the power of Agito cadets. That is all. Ok. En fait, j'ai compris. En fait, j'ai pu rendre la quête parce que, bah, du coup. Avant de partir en mission, ça demande si on veut accomplir la requête, et comme j'avais les prérequis, oui. Très bien.
Au début de la bataille de Togoreth, le Dominion avait le dessus, forçant même l'Empire à reculer. Pourtant, aux abords de la forteresse, Rubrum peine à assiéger Milites, qui est parvenu à renforcer ses défenses. L'état-major décide alors d'envoyer la classe 0 et d'autres aspirants pour infiltrer la forteresse. Après avoir reçu vos instructions, vous verrez apparaître l'indication épée sur la map monde. Rendez-vous à l'endroit indiqué. Très bien. There's really no need for weapons here. As good as done. Let's go. Très bien. Alors on va juste set up un petit peu le groupe et le re-ranger, parce que là je l'avais rangé dans l'ordre stylé à pas stylé. Finalement, je me rends compte que Seven, elle a beau être vachement stylée, la lame fouet c'est moins ouf que certains autres trucs, genre les pistolets de King. Nine, je sais ce qu'il vaut. Katana. C'est un garçon ou une fille? Je ne sais pas, je crois que c'est une fille. Mais ouais, tout ce qui est arme à feu, ça marche bien. Là, l'arc, ça doit bien marcher aussi. Bon, la flûte, on va le mettre tout en bas. Rapière, dague. Masque, katana. Bon, après. Tout ce qui est. Après Queen, c'est de la merde. Mais tout ça, c'est bien. Disons qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais bon. Du coup, le personnage actif, je vais prendre un perso bon et qui est bas level, genre lui. Il joue à l'arc. Qui est un copier-coller de Ace, on dirait. We're counting on you. Allez, allez. Alors, je sais pas où est cette foutue. Ce foutu endroit où on doit aller, mais. On verra. Objectif. Des ennemis très puissants, Rod à Orient, soyez prudent. Oui. À bas niveau, il est plus prudent d'éviter les monstres en liberté dans Orient. Bah non. Ah, j'aurais dû. Ouais, yes. On va faire autrement, du coup. Parce que là, je peux pas choisir les gens qui sont avec moi directement. Donc, je vais mettre elle là. Et. Elle, ça fait chier. Hein. Elle a une flûte de merde, mais en même temps, faut l'XP aussi. Donc, si je la mets là, ça sera en mode. En mode OK. Ah, je dois tout décaler. Parce que ça prend de base les personnages qui sont en haut de la liste avec moi. Et il y a des missions où je peux choisir mon équipe directement. C'est pas ouf. Ok, il faut aller dans ce coin là-bas. Et l'idée de partir à la guerre avec une flûte, bah oui. Tu sais, c'est comme. À l'époque, genre de Napoléon ou quoi, c'est pour motiver les troupes. Oui, j'ai un arc. C'est naze. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est naze. Mais il fait des dashs vers le sol pour m'esquiver. Que chope l'anima, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais sérieux? Oh, touché. Touché. Il est presque mort.
Ok, j'ai compris comment ça se joue. Faut vraiment jouer en mode poussy. Faut sniper en fait. Et pas de trop loin non plus. Attendez, je vais pouvoir faire. Pluie de flèches. C'est naze. Ah mais en fait je peux mitrailler, y a pas besoin de charger. Je pensais qu'il fallait bander l'arc. Moi pour jouer de la flûte j'utilise mon échelle, comprendra qui pourra. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Non mais ouais je pense qu'elle est là pour motiver les troupes, tu sais, faire un petit peu de... Du fifre, ça le nom. Attaque surprise, oh non. Mais putain de merde. Non mais c'est un flanc, les flancs c'est de la glace qu'il faut faire. Voilà. Nounours. Moi pour... Ah oui, d'accord. Oui, 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 maintenant, oui, oui, oui. D'accord, oui. J'ai l'image en tête en plus.